D'ailleurs, à ce sujet, comment est-ce que tu prépares justement toutes ces voix des animaux? C'est-à-dire, tu regardes plein de fois les images, t'essayes différentes... Oui, j'essaye de trouver les images qui peuvent coller ensemble. Si déjà, pendant tout le montage, j'ai déjà pratiquement l'idée en arrivant au moment où je double. Et si c'est bien monté, c'est plus facile à doubler pour moi. Tu montes d'abord les images et après t'écris le texte dessus? J'écris pas de texte, je note des idées. Et j'improvise, j'essaie de rentrer vraiment dans l'animal, si tu veux. Oh c'est simple. J'espère qu'il n'est pas trop petit. Et franchement, la bête. Tu vois ce que je... Oui, complètement. Voilà, de rentrer vraiment dans son humeur profonde. Donc, évidemment, la voix s'y prête. Tu vois, si tu as un animal qui est plutôt corpulent... Non, 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 non. Je t'arrête. On ne soupçonnait pas qu'il y avait autant de...